Voilà. Ah oui, c'est vrai que je me disais pourquoi ça n'a pas marché la persuasion? C'est parce que on a tous en adresse maintenant. J'avais complètement oublié. Bonjour démon. Par contre, apparemment, les gens disent qu'elle est super puissante. Ok. Qu'est-ce qu'elle vient de me faire? Ah, ça a marché. L'idole de Renaissance. L'idole de Renaissance, je l'ai récupérée sur celle qui nous avait embrassé, l'araignée là. Alors qui est mort du coup? Bah personne en fait. Ça va. T'es légèrement dangereuse toi. Voilà, on n'en parle plus. Voilà, maintenant on la spam. On va pouvoir la défoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas de touche. Bizarre. Ah, allez. Barrage. Et voilà, on n'en parle plus. J'ai dit on n'en parle plus. Putain de merde. Voilà. Salut Soro. Bon bah ça y est, ça c'est fait. Nous avons trouvé et nettoyé les quatre complexes souterrains de l'île. Ça c'est fini. Nous avons révélé à Johanna le nom d'un régal, on dit que pension de posséder que tu un certain docteur d'Aeva suite. Donc il faut aller le trouver à Arx. Donc ça c'est au prochain chapitre, je crois bien. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Je pense qu'on est bon. Les recettes avec une idole. Ça me dit rien. J'ai possiblement vu. Comment, enfin, en utiliser ou alors en créer une, mais je me rappelle plus vraiment. On va aller parler vite fait à l'arbre, voir si elle nous dit quelque chose de plus.
Puis après, bon, on se casse après. Hein. Après, on a fini, quoi. Brother in undeath, you. Non, c'est bon. Est-ce que t'as des trucs intéressants, toi? Pas vraiment. De la merde. Aussi de la merde. Ah, j'ai pas troc. On va refaire nos stats. Ah, je testerai la prochaine fois le jutsu de la bourse. Le jutsu de la bourse. On n'a pas vraiment besoin d'argent pour le moment. Elle non, lui. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est con ce système. Ah non, 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 je crois que je peux les mettre. Je peux mettre les 5 points après, hein, normalement. Troc. Pourquoi il me reste un point? 5 de base, non, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que je vais me casser pour l'acte 3. Il y a plein de petites quêtes et j'arrive pas à les finir. C'est vrai qu'il y a énormément de quêtes et tout, c'est incroyable. Hein, on peut passer des jours hein, dans un acte en fait. Qu'est-ce que je voudrais de toi? Ah oui, on avait dit déjà ça. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pour quelqu'un avec de la dex. Oui, on peut le prendre. Bah tiens, pour lui en fait. Et après, ah oui, ça j'aime bien. Ça, faut que je les utilise, parce qu'à chaque fois, j'en fais une réserve, mais je les utilise jamais. Et après, on est bon. Et après, on est bon. Allez, on y va. Après, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut passer 3 ans dans un acte, ou on peut faire la mission principale et se casser. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en plus, même si on tue des gens, genre par erreur ou alors volontairement, on peut continuer la quête, quoi. On peut continuer la mission principale. Hein. So, a
Ready to set sail when you are, your holiness. Allez, de toute façon, j'ai sauvegardé avant, juste au cas où. Allez, fille. Fantastic. Now, on to the interesting part. After many adventures, the party finally reached the place where Godwo can go to become divine. But more surprises and difficult choices awaited. La cinématique qui dure 2 secondes, putain. 17. Idole plus parchemin. Ok, ça marche. Here we are, the Nameless Isle. And here I thought Malady was unimaginative. Still, it's what's on the inside that counts, isn't that right? And this is the place you're meant to become a god. I can't help but wonder exactly what you intend to do with such a power. That's true, technically. But do be wary of putting yourself first at the expense of others. Those who are mistreated tend not to bear their condition indefinitely. Remember that. You'll want to hurry now. Divinity is waiting, after all. Excellent question. Normally, this place ought only to be known to Godwoken, but judging by the ships burning in the bay, there's been a breach, let's call it. Regardless of who's on the island, all that matters is who ascends. Make sure that's you. The strongest will survive and ascend. Sibyl slides her hand in yours, makes your heart skip a beat with her particularly coquettish smile. I've something I need to tell you. You earned it just by being you. You see, the thing is, she scrapes her throat, hesitates, almost as if she's a bit nervous. There's a first. I'm afraid you're going to accuse me of killing the mood, but I need to talk to you about the Master. No, not anymore, or so I hope. Oups, j'avais oublié ça. L'île sans nom. Ça s'est fermé, on s'en fout. Elle veut pas plus parler, Sibyl? Please, go ahead. I think you know the answer to that. First, I'll find the Master. C'est vrai que Sibyl, elle était possédée, ouais. C'est vrai qu'elle avait l'icône en disant qu'elle était possédée, c'est un peu bizarre. He has a date with a needle. Whatever comes after that, comes after that. My, what a still, why not? So, here go. No, hang on.
She retrieves a small flask from her backpack, uncorks it, and takes a big sweep. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, elle? Tears stream from her eyes as she offers you the flask. They're tears of joy, I assure you. Here, have some joy. You drink. It burns. Soon the tears run down your cheeks as well. Not bad, is it? So good it has us crying like babies. Now then, the epic of The Master and the Scar. Sounds like a melodramatic opera. There was, of course, some singing involved. It began when I woke in the dark room. He removed my blindfold, and still I did not see. He himself was darker than any shadow, but I could hear him. Hear him give orders to another. Oui, Loche, elle est possédée vraiment, tout ça c'est de l'histoire et tout. Mais en fait, quand on a combattu un esprit qui possédait les gens sur l'île du sang, là, de la lune du sang ou je sais pas quoi, Sébile a apparemment été possédée pendant un moment. Et enfin, c'était un peu étrange. Je crois que c'était un petit bug. Stingtail. How he came to regret the actions he performed that day. The master bid the dream a dream, and so he did. He sat there. I could feel his hands upon my cheeks. He trembled, as if in pain. I didn't know what was going on until, quite suddenly, his right hand became aflame. I screamed as he traced the design of the scar into my searing flesh, but I could not move, not an inch. And all the while, the master looked on in darkest silence. Oh, like all good things in life, one has to experience these things firsthand. So, once the scarring was over, and the pain began to fade, the training began. With words, whistles, snaps of the fingers even, the master could make me obey his every command. Wow. Young, strong, smart. You know I don't exactly lack in qualities. Didn't take him long to train me in the arts of stealth, subterfuge, and assassination. It shakes me little now, all too little. But that first time, that first real kill? It was such stuff as nightmares are made on. I had now lived in the dark for what might as well have been years. I was in a wood, but the trees there were sick. Grey, leafless hydras sticking out of ashen earth. La logique, elle est dans la magie. There were no stars that night. She sat, shivering beside a fire. I was nervous. I had to chase her. My hand hated itself, tried to resist, but there is no resisting the master's song. My stabs weren't as mercifully exact as they should have been. I had to bring down the needle again and again as her screams flooded the forest with terror. When it was done, I crawled back to the master, broken, crept back into the box, and through its cold black lid, he told me I had done well. Next time, I'd do better. You understand me completely. With the needle, I'll kill him. And with the needle, I'll strike his name from my skin. Wow. The bastard will be master no longer. The very best. She cocks her head ever so slightly, and I... Why? Don't tell me you disagree. Elle est méthodique, honnête et juste. Thank you. I quite agree, and I'm sure I'll have mercy on you when I'm a goddess. No. You, but a mortal sympa. At my feet. In all seriousness, though, the prospect both tickles and terrifies me. I mean,
divinity, will it be a blessing or a burden? Would we be truly omnipotent, or merely the servants of an unruly universe, as desperate for control as we are now? Tiens, ils ont monté de niveau. Maladie, elle était 13, je crois. And then there's the question that makes me shiver most of all. Would we still be ourselves? Would I remain Sibyl, or would my mortal soul die upon gaining divine immortality? Je veux dire que tout cela a l'air pour de moins contradictoire. Mais vous ne pas s'en faire pour si peu. But I do, for I've no intention of losing myself once more. She sighs and closes her eyes. Then such a silly game we play, to be a god. It's quite wasted on mortals, if you ask me. We are all of us too blemished to become immaculate. Eh ben, histoire. T'as rien à nous dire, toi. Toi, je t'aime pas, toi. Gareth greets you warmly. He's on. I should thank you. I don't know what came over me. Praise Lucien, I had you to put me on the right track. Ah, c'est maintenant il est gentil. I'm feeling, well, if not good, then certainly better. I just needed time to think. My parents led good lives. I'd rather celebrate them for the love they gave me than to wail over their loss. Besides, we have work to do. Once we anchor at the Nameless Isle, I'll scout ahead. See if I can help locate the council and ease the way. I'll report Gareth offers his friend. Yeah. Bon. C'est quand qu'on se fait attaquer ou quoi que ce soit? I've plenty of fight. Oh, I see you have a full contingent already. On a pas besoin de mercenaires. Ça, c'est Anne. Hello. This island is something else, huh? I'll bet I can find many interesting ingredients here. Of course. Told you I would, didn't I? Vas-y, donne-moi des orbes de source. I'll start hunting that down right away. Merci, casse-toi. J'ai envie d'aller voir la fille possédée qu'on a récupérée. D'abord, on va parler à eux. Succubus. Tread carefully, my dear. Those are black ring banners. I studied the tablets that you so generously provided. It showed me everything I need to know about creating a functional Swornbreaker. Once I have that, I'll be free of the Covenant, and free to spend the rest of my days with Mahali. See those structures further inland? Remarkably like those from the caverns of the Black Pits, aren't they? Should you discover the parts needed for a Swornbreaker, please, bring them to me. I'll make it worth your while. Also, you will likely encounter sworn followers of the God King on that island, I suspect. I would avoid combat if possible. Death can be less than final for them, if the God King wills it. Le dieu roi. Va falloir qu'on se fasse le dieu roi un moment aussi. Almira doesn't respond right away. I sense a familiar presence. The Sallow Man. Yes. He's there somewhere, likely commanding Black Ring forces. You should seek him out. He's a foul creature, but not opposed to cutting a deal. Beware his underlings, though. If they challenge your presence, pose as a thrall of mine, and you should gain safe passage. My name should still command respect among them. La clé de la liberté. Ok, ça marche. Cool. On a l'homme blafard, on a pas l'homme blafard, le chef du cercle noir. On lui défoncera la gueule. Et de récupérer deux parties de la faux de Déliment. Qui se trouve quelque part sur l'île sans nom. Il faut encore la tablette, nous avons récupéré, il va falloir ouvrir l'œil. Sinon... Ok, c'est deux parties à récupérer. Nous avons appris que les troubles du cercle noir avaient envahi l'île sans nom. Donc on va se taper que des mecs de l'île sans nom. Putain, ça va être relou. Enfin, on va les tuer de toute façon. Mais... Quite a journey I've found myself on with you. Is this where it ends, I wonder? Dangers indeed. You can almost hear the sounds of battle when the wind shifts correctly. And where there's battle,
there's bound to be mercenaries. Glechu Dumar, the words of the Lone Wolves. No doubt my former comrades will have them in their employ. Speak their words, and you might pass. Speak their words, and you might pass. Consider it a token of my thanks for the assistance in retrieving Anathema. Les anciens camarades. Pursuit of my interests has led me to fall in with some disreputable company in my time. For a short while, one such group was the Black Ring. I know, not something to be proud of, but they let me do as I wished, so desperate they were for aid after the Death Fog cut them down to size. A fine arrangement, until they started preaching about this God King and his infernal covenant. He snorts derisively. The last thing this world needs is another would-be god, and an army of fools willing to follow him. Vous demandez ce que c'est ce pacte. It's a sop to all the fools who think that someone will grant them power and immortality in return for loyalty. This God King has caused to make war with the Seven, and the Covenant is how he's gathered his army. They become sworn, as it was put to me, bound to serve, die, and be reborn for the God King for as long as he wishes. Then at some... You should have seen them all, on their knees, worshipping a new tyrant just to spite seven old ones. I got away from them while I still could. Unfortunately, Dallas was waiting to snatch me. Demandez ce qu'il sait sur le dieu roi. There's a clue in the name. He's a god, or something that wants to be a god. Continue to march to the Seven's beat, and I'm sure you'll find out exactly what he is. They're all the same, you know. Tyrants, liars, carrion birds. The best thing would be for them all to destroy each other and leave the rest of us to live in peace. You know why. A time is coming when you're going... Besides, it doesn't matter if you don't let it matter. Black Ring, Divine Order, all labels try to define who we are. As soon as a skin is of no more use to me, I shed it. You ought to try it sometime, Godwoken. Lui, faut qu'il me fasse mon épée. Il en est avec Anathème, voilà. My efforts continue. I must admit it's quite an intricate piece to work with, even for someone like myself. I remain confident of success, though. Yes. Bon, il est toujours en train de travailler dessus, ça va. Je suis sûr qu'il va essayer de la garder pour lui à la fin. Enfin, on verra. On a rechargé l'idole. 3, 3, 2, 6. Faut que je donne un peu des parchemins de vie là. Expert warriors for hire, all seasoned in combat. They won't let you down. 3, 3, 5, ah, c'est très bien. Ou il va me la vendre. L'épée. S'il me vend l'épée, le mec, je le brûle. Direct. Je vais pas chercher à comprendre. Le mec, il va brûler. Et je le mets sur un piqué. Arrêtez où la petite fille était là-bas, je crois. Ah.
The little girl doesn't acknowledge your presence. She remains locked away somewhere deep within her own mind. Okay. Et eux, ils bougeront pas. As you approach, the non. The silent monk cocks his... Ok, bon, c'est l'heure. On va aller voir un peu ce qui se passe sur cette île. Oh. C'est tout. Direct, on arrive. Pas une petite cinématique pour nous montrer que qu'il y a des méchants, rien. Before you stands a shrine of a particularly strange design. As you approach, you feel it hum with a benign power. It seems to pull you in. Ah. Je me suis dit. Magistère et paladin gisent sur la plage, mort. Que venait-il faire ici? Qu'est-ce qui a bien pu les massacrer de la sorte? Ça marche. Cuphead, pas du tout. C'est joli cette jungle. I fancy a swim. You need a bath. Ah, ils parlent entre eux, c'est mignon. C'est quoi ces merdes? Pillard. Profanateur, ok cool. On approche du but, je pense. On va aller leur dire bonjour. Ouh, un truc que je viens d'y... Je viens de me rappeler. J'ai pas récupéré ma... Non, ça va, on la récupère automatiquement. Enfin, quoique, si. J'en avais pas une bleue de pyramide. Ah, elle est là. Ah, ça va, c'est bon. On l'a bien récupéré. La pyramide qu'on avait laissée pour récupérer de la source. Alors, le cercle noir. Il y en a que deux, il n'y a pas une embuscade, rien. Ah bah. Alors, il n'y a pas d'embuscade. Toi qui va prendre. Ça va. Ça va, y'a. Le mec il s'est juste mis derrière. Enfin devant ses billes. Ça c'est drôle ça. Le mec il s'est dit. Ah, tuez-moi. Tuez-moi. Voilà.
Ouais, j'ai zéro embuscade pour le moment. À moins qu'ils vont se transformer en monstres géants, je... Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Par contre, toi, t'es un peu chiante. T'as beaucoup d'armure. Ah, mais t'as pas du tout de magie, en fait. Ok, ça marche. C'est parfait, le feu. On va pouvoir la faire tomber directement. Enfin, j'espère. Ça va, ça passe. Non, parce que faire tomber, c'est armure physique. À chaque fois, je dis la même chose. Je dis de la merde. On va défoncer lui. Voilà. Right where I want you. Cote. Démon intérieur, c'est super classe. Démon intérieur, c'est super classe, mais je le montrerai plus tard. Parce que ça utilise de la source en fait. Mais j'ai un gros démon au-dessus de moi et qui me protège. On peut faire terreur aussi sur les gens, c'est vachement bien. Tout le monde va se prendre là-haut là. Pas grave. Je pourrais te contrôler, mais bon, s'en fout. Je vais brûler tout le monde encore une fois. Pas grave, on s'en fout. Désolé. Allez, embuscade. Ok. Ou pas. Black Ring. Would they be doing the purging? The plot thinnens. Je pense pas que les deux. C'est pas que ces deux-là qui ont tué tout le monde, hein. Y a sûrement autre chose. Un peu bizarre. C'est joli ça. Ah, on peut passer. Ah. Sûrement un truc. Joueur du Susano dans Naruto, c'est ça. Si on trouve de la source... Bah, je peux le faire en fait. Je vais le montrer, allez.
Et on a deux habilités de nouvelles. Le truc qui va taper automatiquement si quelqu'un m'approche, et ça c'est pour... ça fait énormément de dégâts à l'armure magique. Et ça fait terreur aussi. C'est vachement bien. C'est vachement classe. Magisters and paladins, all dead. C'est pour ça que je voudrais... en faire un peu un mêlé de Vlad. En faire un plus un mêlé. Vous avez mis les magistères restants à l'endroit où vous avez pris le pied sur l'île. Après quoi, vous vous rassemblez au temple de Ralik afin de poursuivre sa destruction. Le temple de Ralik, d'accord, ça marche. Oh, de la purge. Baguette de purge. C'est quoi ça? Grenade. C'est quoi là? Temple de Ralik. Bah tiens, on y est. Lag un peu. Qu'est-ce qui se passe? Putain, ça lag ici, qu'est-ce qui se passe? A sweating warrior appears before you. Who the hell's be you? La traduction, putain, mais t'es qui toi? C'est votre voix prendre le ton d'Almira et lui dire que le réceptacle auquel il est en train de parler appartient à la déesse. Fait chier, il parle au lézard et pas à Vlad. Fait chier. Lui dire de se calmer ou il va avoir de sérieux problèmes. If you'll not be with the God King, you'll be against. So rejoice, I bring out. Ok, ça marche. Vas-y. Combien il y en a? On a des paladins. On a des mecs sans armure magique, ça veut dire qu'on peut les contrôler. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Cool. Ça fait un peu chier qu'ils commencent tous en premier, là. C'est la marque noire, il n'y a pas grand chose à dire hein, chez eux. Et j'ai pas envie de faire genre je suis avec, avec la marque noire non plus. Le cercle noir. Je préfère les défoncer direct. qui c'est qu'on pourra les taper? On va les taper cette bestiole là. Apparemment, il a pas voulu brûler. Alors, fais voir, il y a pas quelqu'un que je peux contrôler. Normalement, il y a toi là. Ça c'est fait. N'en parle plus.
Lui me fait chier, lui. Ils sont où les autres? Ils sont là. Voilà. On va leur faire un petit coup de... ricochet. Pas mal ça. Sympa. Qui d'autre à défoncer? Tis. C'est quoi Tis Souffrance du Cercle Noir. Sympa comme nom. Bientôt, presque. Bien joué. Ah, qui c'est qu'on peut aller défoncer? Il y en a... Ah, Pillard. J'avais pas vu, tiens, Pillard. Il y a lui, il y a elle. Non, prêtresse des magistères. Il y a profanateur. Il y en a que 3, 4, 4, 4. 4 avec le chien. On pourrait l'endormir, tiens. Mais bon. C'est super chloroforme. c'est énorme. C'est terrible. Show yourself. Ah. Quelqu'un d'invisible. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, si, si. Ah oh, putain, fais gaffe où tu vas, Magister, on va te défoncer sinon. C'est notre pote. Voilà, malédiction sur ses copains. Qu'est-ce que tu viens de faire? Il vient de nous battre. Enfin, je crois qu'il a balancé en fait des nécroflammes sur le chien, mais il nous a touché en même temps. Ça fait méga mal les nécroflammes, ça abusé. J'ai envie de m'amuser, putain. Allez. Yeah.
Le bordel. Ça, ça va faire mal. ça va? Ça va, c'est pas sur nous, on s'en fout. Lui, on le défoncera à la magie. Qu'est-ce qu'on pourrait défoncer? Toi. Boum. Il avait des bombes sur lui, ça va. Ça a fait péter des bombes. Putain, les dégâts du nécro, quoi. 200 et quelques de dot, c'est pas mal. Elle est en train de crever, elle, non? Je sais pas pourquoi ils font tout le temps ça, ça sert à rien. L'habilité, elle a l'air vachement bien, mais... Au final, elle est plus inutile qu'autre chose, quoi. Là par contre je vois pas les ennemis, ils sont... on a là. Et derrière, ok, ça marche. Faut des dégâts magiques. Enfin, c'est pas vraiment obligé mais... On va toucher l'autre, elle va nous faire chier, non? Comme ça, non? Cool. L'autre est bientôt morte. Merde. Voilà. Vlad en plein milieu, mais on s'en fout, il est super résistant lui, donc
Y a aucun problème. Fait chier l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne reçoit plus aucun bonus de position surélevée. Les assaillants positionnés en contrebas ne reçoivent aucune pénalité. D'accord. Un peu pourri quand même. Il va bientôt mourir. Enfin, je crois qu'il va mourir. Bah voilà. J'allais dire, je crois qu'il va mourir du dot. Il aime bien les flèches assommantes, apparemment. Que je puisse me téléporter beaucoup mieux. Ça fait mal ça. Breathless, the Magister fishes out a canteen of water. She gulps hard. My thanks for your help. But who are you? Ça va être l'heure de d'être les gentils. On va faire comme d'habitude. On est toujours sympa avec eux au début pour qu'ils nous en apprennent plus sur le terrain, etc. Qu'ils nous donnent aussi des quêtes avec de l'expérience. Et puis après, bah voilà quoi. Après ça finit mal. Avant sachement que vous êtes venu à son aide quand elle était en danger. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Fine. I won't shun new allies. Not after the amount of casualties we've taken. Here. Let me give you some advice. It might save your life like you've saved mine. If you need shelter, look for the bishop and the rest of my comrades. They retreated north to our rendezvous point. We'll head there once we've tended to our fallen. Okay. Alexandar, ici et vivant. Our true leader has returned and united us. It's nothing short of a miracle he's made it this far. He's dodged assassins more than once. Wow, okay, ça c'est très bizarre par contre. Now it's our holy duty to safeguard him until he becomes the next divine. And that means putting these black ring devils to the sword. Ça c'est très très bizarre. Isn't it bloody obvious? They're destroying the sacred temples and killing everyone in sight. If I were you, I'd get out of the open as soon as possible. Wow. Ça a vraiment qu'Alexander avait trouvé refuge au temple elfique dans le nord de l'île. Ok, ça marche. Découvert que l'un des temples de l'île sans nom était inondé par des trompes d'eau tombant d'un portail.
You frown with surprise. Alexander vanished along with all the others when the Lady Vengeance breached the Hall of Echoes. You assumed he was dead. L'ennemi de mon ennemi n'est pas toujours mon ami. Si je vois quand, j'aurais du mal à me retenir de l'achever une fois pour toutes. If he still thinks he's the one that will replace Daddy Dearest, he's in for a surprise. Has as many lives as a cat, it seems. Let's see if he acts like one when cornered. I've got questions for him, and he'd better have answers, or his second death will be even more painful than the first. sacré fan. Miroir sombre du cercle noir. Je sais pas ce que c'est. Une grenade divine. Sens de feu étreint. Bien ça. Bras du paladin. Encore un bâton de purge, pourquoi pas. Ça nous en fait deux. Bâton improvisé, non c'est de la merde. De l'or, de l'or, de l'or. Good find. Pas assez élevé. The altar stands before you in honor of Ralik, first of the gods and patron of humanity. On va s'agenouiller. As your prayer drifts away on the breeze, you feel the world around you shift. You open your eyes to a courtyard with wooden targets and practice posts scattered about. A man stands in the center of the court, his face turned towards the sun, his eyes wide open. He's old, gray hair matted against his skin, but you still recognize him, Ralik. He doesn't look over as you approach. It's only when you're standing right beside him that you see that his eyes are clouded and gray as his hair. He is completely blind. Wow. Go, Godwoken, he croaks, a faint smile on his face. Go and do your duty. The vision fades, and you stand once more in the shadow-speckled glade of Ralik's temple. Looking. L'île sans nom. Alors, nous avons appris que Ralik était aligné avec le soleil. The altar stands be- on peut pas la tourner. Ou alors, la, faut peut-être la détruire. Sûrement un truc à faire ici. On verra ça plus tard. Là, on a la téléportation plage. Ah non. On est où là? Ah, il y a encore plein de gens à fouiller. Yes. I've never seen ruins like these. You don't get out much, do you? Junk. J'aime beaucoup le, l'île. J'aime énormément le setup et tout ça. C'est vachement bien. C'est, déjà, elle est super jolie.
Et puis le fait d'avoir genre les magisters avec le cercle noir et tout qui combattent, nous on arrive en plein milieu, on essaye de faire notre quête, mais on doit défoncer tout le monde. J'aime beaucoup, c'est sympa. Il y a des choses bizarres qui se passent. C'est un vrai massacre ici, la vache. Putain, ils sont tous morts. C'est une armée qui est morte. Voilà. Et on va s'arrêter ici.